Bonsoir, merci d'être en direct avec nous, Manuel Valls. Quelle est votre première réaction à l'annonce de la mort de Michel Rocard, vous qui l'avez particulièrement bien connu ? Beaucoup de tristesse d'abord, parce que c'est une disparition, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc au-delà du rappel de son parcours politique, des liens qui m'unissaient à lui, le fait que je m'étais engagé pour Michel Rocard en 1980, j'étais jeune rocardien, j'étais même le président des jeunes rocardiens, j'étais son collaborateur à Matignon, c'est d'abord un homme qui s'en va, et donc je pense à sa famille, à ses proches, et à tous ses compagnons de route, ils sont nombreux, parce que c'est un courant de pensée profond qui a irrigué la société française, la gauche qui est partie de la société française, hein, des années 60, de la lutte contre le colonialisme, de mai 68, de la décentralisation, c'est tout ça, hein, Michel Rocard, donc c'est une part de la France aujourd'hui, pas seulement de la gauche qui s'en va. Est-ce que vous êtes encore rocardien, Manuel Valls ? Est-ce que ce que vous avez appris aux côtés de Michel Rocard vous inspire encore dans l'action que vous menez tous les jours ? Oui, vous savez, quand on a 18 ans, quand on s'engage pour la première fois dans l'action politique pour Michel Rocard, que j'avais découvert la télévision en 1978, j'étais lycéen, au soir de la défaite de la gauche aux élections législatives de 1978, c'est pas récent, mais il avait dit il n'y a pas de fatalité à l'échec de la gauche. Oui, quand on s'engage comme ça, quand on change sa vie pour un homme politique, eh bien oui, on le reste, et je reste rocardien. En tout cas, c'est une référence pour moi, je le dis souvent, et j'en suis fier, car Michel Rocard, c'est dans les idées rarement trompées, et ses idées aujourd'hui sont très largement majoritaires à gauche. Une question, Manuel Valls, de Claude Askolovitch. Il y avait deux éléments chez Michel Rocard. D'abord, l'idée que la gauche de la politique ne pouvait pas échapper à la réalité économique. C'était son adversité par rapport à François Mitterrand. Et en même temps, une capacité à être minoritaire, à être en rupture. Il avait été, vous étiez avec lui, minoritaire au PS. Il avait quitté la SFIO. Il y avait à la fois cette rupture et cette idée que le réel, on ne peut pas y échapper. Oui, bien sûr, d'où son parler vrai, son cette exigence de vérité. Et en même temps, il était, Claude Askolovitch, vous le savez, très attaché également à la gauche, au Parti Socialiste. Rappelez-vous de sa fierté quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste dans des conditions très difficiles. Il a été peu de temps, un an. Il avait été élu en 1993, parce qu'il appartenait également à cette famille. Il continue d'ailleurs de se battre pour que la gauche épouse le réel, tout en l'invitant à être imaginative, à pas être uniquement dans une forme de réalisme qui l'empêcherait d'ouvrir de nouveaux champs, de regarder le monde, ses évolutions. Il était très inquiet de la violence du capitalisme, du libéralisme économique, à la fois sur le plan social, mais aussi parce qu'il procurait des dégâts, il provoquait des dégâts au niveau de la planète. C'était un écologiste également. Donc, tout en étant un partisan du nucléaire, de Michel Rocard, c'était cela, à part avec ses propres contradictions. Bien sûr, parfois, il avait une forme de réticence à l'exercice du pouvoir, paradoxalement. Hein, on considérait que la politique, c'était sale, c'était avilissant aussi. Je faisais partie de ceux, d'ailleurs, qui poussaient, dans les années 90, à conquérir le Parti Socialiste, à continuer son combat pour l'élection présidentielle. Il y avait beaucoup de choses dans Michel Rocard, mais c'est un homme curieux, d'abord, inventif, qui aimait les idées. Et que ces idées soient aujourd'hui si majoritaires qu'on lui rende cet hommage ce soir, pas uniquement l'hommage qu'on rend au moment où on disparaît, je crois que c'est un hommage profondément sincère, car peut-être incarnait-il la gauche que beaucoup de Français auraient aimé voir gouverner longtemps.